Je suis malheureux. Pauvre petit dragon, que t'arrive-t-il? Pourquoi pleures-tu? Parce que je ne sais pas cracher du feu. Normalement, je dois protéger un village, mais personne ne veut de moi. Je peux peut-être t'aider. Tu vas aller chercher des ingrédients dans des pays différents. Ensuite, tu me ramèneras les ingrédients et je pourrai faire la potion. Tu iras à Stonehenge en Angleterre pour y trouver du charbon. Ensuite, je te donnerai une carte qui te permettra de trouver les autres ingrédients. Et voici un sac pour que tu mettes tous les ingrédients. Au revoir, merci pour ton aide. Au revoir, à bientôt. J'espère que ça va marcher. Bon voyage et bonne chance, petit dragon. À bientôt. Ah, ça y est, je suis arrivée à Stonehenge. Qu'est-ce que c'est ça, un dragon chinois? Bonjour, le sorcier chinois m'a envoyé ici pour que tu me donnes du charbon. Ça me servira à faire une potion pour cracher du feu. D'accord, chinois, et voilà. Merci, est-ce que tu peux m'aider à trouver où je dois aller ensuite? J'ai une carte dans mon sac. Regardons par là. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Tu dois aller à Madagascar. Là-bas, tu devras trouver du piment. Merci beaucoup, Emile. Merci. Bonne chance pour ton voyage. Au revoir. Me voilà arrivée à Madagascar. Bonjour, pourrais-tu m'indiquer où il y a du piment, s'il te plaît? Oui, mais pourquoi faire? Fais attention, les piments d'ici font très fort. C'est pour faire une potion qui me permettra de cracher du feu. Oui, il y en a tout en haut de ces baobabs, je te laisse y aller. Merci, j'y vais tout de suite. Ah, je vois que tu as trouvé un bon piment mûr. Pourrais-tu m'indiquer où je dois aller ensuite? J'ai une carte dans mon sac. Oui, bien sûr, avec plaisir. Regardons vers l'est. Oui, c'est ça, tu dois aller en Australie pour récupérer du silex. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir et bonne chance. Ça y est, me voilà à Sydney. Oh, une énorme vague, au secours, je vais me noyer. Je vais t'attraper, ne t'inquiète pas. Merci de m'avoir sauvée. Comment je peux te remercier? Je suis à la recherche de silex. Sais-tu où il y en a? Je sais où il y en a. Il faut creuser dans le sable de la plage et tu en trouveras. Tiens, creusons ici. Oh, regarde, en voilà un. Tu as trouvé un beau silex? Merci, ça va me servir à faire une potion pour cracher du feu. Il me reste encore un ingrédient à trouver. Peux-tu regarder sur la carte où il se trouve? Oui, tu dois aller à Rio pour y trouver une fleur magique. Merci, j'y vole tout de suite. Au revoir, petit dragon. Merci de m'avoir sauvé. Oh là là, c'est le carnaval, je dois bien être à Rio. Bonjour, serais-tu qui a la fleur magique qui permet de cracher du feu? Oui, je sais, je l'ai vue sur le short de Camélia. Regarde, c'est elle là-bas. Merci, bonjour. Serais-tu où est la fleur magique qui permet de cracher du feu?
Oui, elle est sur mon char. Je finis ma danse avant de te la donner. Oh, quelle belle danse! Tiens, voilà la fleur que tu voulais. Merci, c'est exactement ça. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Regardons la carte. Bon, apparemment, tu as tout fait. Tu peux retourner en Chine pour faire ta potion. Bonne chance! Au revoir et bonne chance pour ta potion magique. Au revoir, Emile, merci. Ah, me voilà à la maison. Ça y est, j'ai tous les ingrédients. Très bien, dragon. On dirait que tu as tout. Allons préparer ta potion. Le charbon, le piment, le silex et la fleur magique. Je mélange. Ihang, shik, tosang. Voilà, c'est prêt. Viens boire dans le chaudron. C'est bon. On dirait que ça chauffe. Essaye de cracher du feu, ça devrait marcher. Allez, je me lance. Youpi, j'y arrive, je peux cracher du feu. Merci pour ton aide, mais quel village je vais protéger? Moi, je crois que je sais. On a besoin d'un protecteur à la cité interdite. Ça te dit? Youpi, je suis trop content. Valentin. Amy. Enzo. Adam. Abigail. Célia. Ziad. Medu. Léo. Fanny. Céline. Léa. Itisen. Coralie. Chloé. Aurélie. Evan.